Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Et aujourd'hui, nous allons traiter la question de Louisanne, ou plutôt les questions de Louisanne. Alors c'est très mignon ce petit message que j'ai eu par mail. Pour vous mettre un peu dans le décor, Louisanne a 87 ans et elle me suit sur YouTube depuis le début, depuis le tout début que je fais ces vidéos-là. Elle vit en EHPAD, c'est sa petite fille Audrey qui donc m'a écrit à travers donc sa grand-mère et en fait c'est très rigolo. Audrey me racontait, tu vois Louisanne, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu vas regarder cette vidéo, Audrey m'a fait un mail pour me dire que c'était très drôle parce qu'un jour elle a déboulé dans la chambre de sa grand-mère, Louisanne, et elle a surpris sa grand-mère en train de me regarder. C'est-à-dire que Louisanne demandait au personnel de l'EHPAD de bien vouloir mettre mes vidéos sur sa tablette pour qu'elle puisse me regarder. Et en fait, Audrey me regardait aussi. C'est-à-dire que Audrey a grillé sa grand-mère en train de regarder mes vidéos alors que Audrey regardait aussi mes vidéos. C'est mignon. Et du coup, ça leur a fait un sujet de conversation commun. Et je suis très contente de cette petite anecdote. Ça m'a fait chaud au cœur. Donc je vous trouve toutes mignonnes toutes les deux de m'avoir adressé ce message. Donc Louisanne me dit, c'est ma petite fille Audrey qui pose les questions pour moi parce que les ordinateurs et moi, ça fait deux. Je suis trop vieille, mais je te regarde chaque jour depuis des années maintenant. Et puis là, en particulier, depuis qu'il y a le calendrier de l'Avent. Donc je suis vraiment ravie si tu me retrouves chaque jour, Louisanne, et que tu prends beaucoup de plaisir à me regarder. Ben, moi, ça me fait vraiment trop, 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 trop plaisir. Tu es mon petit rayon de soleil de la journée. Arrête, tu vas me faire pleurer. Donc tu me demandais, tu avais des questions à me poser, tu étais un peu curieuse, Louisanne, du haut de tes 87 ans. Et tu me demandais, elle est comment la Elisabeth hors caméra, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Bah tu sais quoi, Louisanne, elle est pareille. Enfin je crois, j'essaye du moins, mais il faudrait que j'interviewe mes proches. J'essaye d'être exactement la même devant la caméra que je suis dans la vie de tous les jours parce que j'ai pas envie de jouer un rôle, j'en ai déjà parlé. Donc je suis un peu sans filtre, tu vois. Donc je suis comme ça en fait. J'ai exactement le même humour surtout hein, qui me caractérise, qu'il faut comprendre. Il y a encore des gens des fois qui me regardent bizarrement en disant qu'est-ce qu'elle dit. faut s'habituer. J'essaie de prendre toujours la vie du bon côté. En tout cas, j'essaie de garder le moral, même si parfois c'est compliqué. Et puis, j'ai en tout cas la sensation d'être appréciée pour ma sincérité. Tu vois, si j'ai envie de te dire merde, je vais te le dire. Si j'ai envie de te dire là, t'es un peu con-con, je vais te le dire aussi. Mais si j'ai envie de te dire que je t'aime, je vais te dire je t'aime aussi. Tu vois, je suis entière en fait. Donc, c'est je pense qu'elle. Enfin, je pense en tout cas que si je demandais à mes proches, d'ailleurs, pourquoi pas, faire une vidéo, pour leur demander, dis donc, tu penses quoi de moi? Vas-y, balance. Pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça serait rigolo de faire ça un jour, tiens. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, mais je suis exactement la même et je cherche pas en fait à jouer un rôle ou à être différente. Je vois pas l'intérêt. Je sais plus qui d'ailleurs a dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'ai pas de mémoire, Louisanne, tu m'en voudras pas, mais je suis comme ça. Ensuite, tu me disais quand on est médium. Donc ça, c'est le titre d'une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines, qui apparemment vous a bien marqué tous. Et tu me disais est-ce qu'on est médium tous les jours? Absolument pas, parce que si on est médium tous les jours, on devient cinglé, ma pauvre Louisanne. Et oui, ma pauvre Lucette.
On peut pas être médium tous les jours, c'est pas possible. On peut pas s'enfermer là-dedans tout le temps, parce qu'on vit dans un monde qui est terrestre, hein, on vit dans un monde physique. Donc si on est tout le temps connecté avec ce qui se passe là-haut, on oublie de vivre ce qu'on a à vivre ici. Donc moi je suis bien terrestre, hein, il n'y a pas de souci, hein, je vis dans un monde qui est physique. J'essaye autant que possible de me verrouiller quand j'ai pas nécessairement envie, tu vois, de... C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps en plus, hein. Je l'ai dit dans une vidéo, ça, Louisanne. J'ai dit que je voulais pas justement partir dans un délire d'être toujours en train de dire aux gens, ouh là là, je vois qu'il va se passer ci ou ça. Non, non, pas du tout. Et puis il faut laisser aussi les gens vivre leurs propres expériences. Tu peux pas non plus, tu vois, rentrer dans la vie des gens en permanence sans y être invité, d'ailleurs. Et en même temps, tant mieux. Donc, j'essaye de ne pas être la copine mystique de service ou l'invité mystique de service qui t'anime la soirée, quoi, hein. Parce que forcément, quand tu es médium ou quand tu as une profession comme ça qui est liée un petit peu à un domaine étrange, qui suscite un peu le questionnement, etc., forcément, les gens vont venir vers toi parce que tu es un peu bizarre, tu vois. Est-ce que tu n'aurais pas un message? D'ailleurs, c'était la question suivante, je crois. Je suis en train de mordre sur ta question suivante qui était, ce ne doit pas être simple d'être l'ami et la voyante en même temps. Alors, tu sais, je vais te dire, c'est très très rare que je fasse des consultations à des gens que je connais bien. C'est-à-dire que les copains, les copines me demandent de temps en temps, oui, c'est arrivé, mais en fait, j'ai des amis qui sont plutôt intelligents, donc ils auraient... C'est arrivé, si tu veux, avec des personnes vraiment dont je suis proche, hein. Attention, hein, je te parle vraiment des bons copains, des bonnes copines, ou de personnes de ma famille, par exemple, qui m'ont eu posé des questions, mais en subtilité, parce qu'ils savent bien que... je ne suis pas la médium de service, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut réussir à garder sa place. C'est-à-dire que je suis avec des amis, ils vont parler d'une situation. Des fois, je vais avoir envie d'intervenir et de dire, bah là, vous ne croyez pas qu'il pourrait se passer ça ou je pense que, mais bon, voilà. Et souvent, ils s'arrêtent, ils me disent, attends, c'est qui parle là? C'est toi ou c'est la médium? Mon mari me le fait aussi. Quand je fais des probabilités ou quand j'avance des choses, il me dit, attends. C'est qui parle là? C'est Elisabeth ou c'est Elisabeth médium? Qui c'est qui parle? Tu vois, on essaie de situer des fois. Mais j'ai des amis qui sont suffisamment intelligents pour ne pas me gonfler en permanence avec t'as pas un message, t'as pas un signe, t'as pas un truc, t'as pas un machin. Non, 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 ils font pas ça. Et en même temps, je pense que s'ils le faisaient, ils savent très bien que très vite je vais leur dire, écoutez, vous me gonflez, quoi. Mon mari est mécanicien et quand on va quelque part, il répare pas toutes les voitures, quoi. Tu vois. Si je vais chez un ami qui est électricien, je vais pas lui demander de refaire mon installation électrique avant de partir, quoi. Donc, je pense que chaque profession suscite forcément un questionnement, mais ben, c'est pas pour autant que on va avoir une consultation sur l'instant. Je peux donner des conseils en tant qu'ami. Souvent, je le dis d'ailleurs. Là, c'est la copine qui parle, là, c'est l'ami qui parle. Et moi, je pense que tu aurais dû faire ci ou tu aurais dû faire ça. Mais mes amis ne me consultent que très rarement et ça m'arrange. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu connais quelqu'un intimement, je veux dire, quand tu connais très très bien quelqu'un, c'est très compliqué de lui faire une consultation en étant parfaitement neutre. Parce que forcément, tu connais sa vie. Tu connais son passé, enfin même si j'ai pas trop de mémoire, il y a quand même des trucs qui m'ont marqué. Ou si je lui dis quelque chose, j'aurais trop peur que cette personne-là se dise, ah bah ouais, mais je lui en avais parlé en fait il y a 2 ans. Alors du coup, elle a repris un peu le truc, elle nous a fait une mayonnaise, et puis hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc j'aurais beaucoup de mal en connaissant cette personne-là et en connaissant son affectif, son passé, etc. Je crois que j'aurais du mal à faire des consultations comme ça. Après, c'est arrivé hein, que je fasse des consultations de voyance à des amis parce qu'elles étaient dans des situations qui étaient vraiment très complexes. Et du coup, là, je me mettais vraiment en conditionnement rendez-vous, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer un tirage de cartes en plein milieu d'un repas un samedi soir
ou après l'apéro du vendredi soir, enfin j'essaye du moins, j'essaye, mais ça va vraiment être dans une condition, une condition, oui, de rendez-vous. C'est-à-dire, tu viens au cabinet, dans mes heures de travail, etc. Et là, c'est bien cadré. Je suis dans les conditions de travail. Tu vois? Là, en essayant vraiment de faire la part des choses et en ne pas, pour ne pas partir, tu vois, dans tous les sens. Et la médiumnité, c'est pareil. J'ai un ami, par exemple, qui m'a demandé une séance de médiumnité avec son papa. Et je le connais trop bien, finalement. Je le connais beaucoup trop. Donc je lui ai dit non, je suis désolée, je te prendrai pas en rendez-vous, par contre je vais te conseiller quelqu'un, tu vas aller le voir et tu vas voir, ça va être super, et c'est quelqu'un de confiance et vas-y quoi. Mais avec moi, non, j'aurais trop peur finalement d'être influencée par tout ce que je connais déjà de cette personne-là et qu'il parte de chez moi en se disant ouais, bon finalement... parler d'un truc, mais bon, j'en avais déjà parlé, enfin tu vois, je veux pas que ça, je veux pas rentrer là-dedans quoi, si tu veux, ça me gêne. Je vais te donner un exemple qui est con. je te préviens avant, tu vois, Louisanne, je te mets en condition. C'est comme avoir un médecin dans la famille. Quand t'as un médecin dans la famille, admettons, j'aurais une sœur médecin, si j'ai un problème X ou Y, je crois que je préférerais aller voir quelqu'un de l'extérieur plutôt que d'aller dévoiler mon intimité à ma sœur, même si c'est ma sœur. Je crois que je suis pudique, en fait. Je crois que je suis très pudique. Voilà. Moi, ouais, je suis pudique, ouais. Je crois qu'il y a des choses... C'est mieux quand tu consultes des personnes de l'extérieur. Ceux qui sont neutres, en fait. Ils te connaissent pas, donc on part sur une bonne base, tu vois. On part sur un plan zéro. Et au moins, tu vois, quand c'est des choses très intimes, ouais, moi, ça va me poser problème. Donc, je pense que peut-être que je suis trop respectueuse, que je n'ai pas forcément envie de rentrer dans l'intimité des gens. Et peut-être que moi non plus, j'ai pas envie que les gens rentrent complètement dans mon intimité. Donc je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect. Ça impose beaucoup de respect. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'espère que je suis claire. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Mais en tout cas, ça me paraît important de justement d'avoir une frontière entre être la copine, être l'épouse, être... voilà, et être médium. Tu n'es pas forcément celle qu'on va consulter en permanence pour un oui ou pour un non, sinon tu t'en sors plus en fait. Il faut réussir à mettre des distances avec ça. On vit dans un monde qui est physique, il faut rester bien ancré. Et tout ça, c'est de l'ancrage, tu vois. J'espère en tout cas que j'aurai répondu correctement à tes questions et que tu seras satisfaite de mes réponses. Je vais vous embrasser toutes les deux très fort. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué parce que les gens sont très isolés. On n'a pas le droit d'aller voir tout le monde. On n'a pas le droit d'aller dans les EHPAD, etc. parce qu'il y a le fameux Covid qui traîne. Donc, j'espère quand même que les fêtes de fin d'année seront potables pour vous. Et puis, dites-vous que c'est pas très grave si on ne se voit pas dans l'instant. On se verra plus tard quand ce sera un petit peu plus rassurant de se côtoyer, de s'embrasser, de se prendre dans les bras. Et en attendant, je vous envoie plein de bisous virtuels qui, eux, n'ont pas besoin de masque. Voilà, et je vous retrouverai demain pour la nouvelle vidéo, bien sûr, du jour. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut !